Les index dupliqués. Les index dupliqués, malheureusement, on en voit beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a dans certains environnements de prod, on voit des index complètement identiques. Alors, soit parce que c'est plusieurs, je sais pas, peut-être DBA ou développeurs qui ont touché à la prod et qui n'ont pas vérifié les index existants, ou ça peut être plein de raisons, mais c'est la raison généralement qu'on invoque le premier. Alors, dans le cas où on a un duplicate index, on peut s'apercevoir aussi que, au niveau des perfs, c'est un gros impact. Donc, on va utiliser la base de données comme d'habitude. On va sélectionner à l'intérieur cette table, on va insérer, on va créer une nouvelle table, pardon, selecting to from, création de la table, ok, on active set statistic type on et l'IO aussi, et on va insérer à partir d'un select. Ok? On va le faire 5 fois. Et on va noter le temps. C'est parti. Donc là, on a une seconde. Ok, donc une seconde, ça va. Sur 5 fois. Bon, on n'est pas dans un temps vraiment excessif. On va retrunquer la table et on va créer les mêmes index. D'accord? On voit ici. On crée un index différent, mais par contre on met sur les mêmes colonnes. KR tracking number, c'est toujours la même. TR tracking number, et on va le faire plusieurs fois. C'est parti. Je vais créer ces index. C'est assez rapide. Je crée les index, et vu qu'on a plusieurs index qui sont identiques sur la même table, on va réinsérer de nouveau ces mêmes valeurs, et on va le refaire encore 5 fois, pour pas tricher. C'est parti. Alors, je pense que vous avez compris, ça va être plus long. D'accord? Donc, on voit comme l'overindexing, comme l'overindexing des index, on ne va pas créer l'index pour rien. Donc, comme le overindexing a un impact sur les performances lors de vos insertions, vous voyez la requête tourne toujours là, on a 23 secondes. Donc, on a perdu 22 secondes alors qu'on a créé les mêmes index. D'accord, vous voyez, l'impact, c'est quand même énorme. C'est énorme. Donc, pas de duplicate index, pas d'over-indexing. Donc, duplicate index a aussi un coût sur les temps de maintenance, sur l'espace disque, etc., etc. Heureusement, on a des DMView qui permettent de voir tout ce qui est over-indexing et tout ce qui est duplicate. Heureusement que ça existe. D'accord? Donc, soyez très très vigilant à ce niveau-là aussi.